Bonsoir. Après les attentats de janvier l'an passé puis ceux du 13 novembre, les libraires font face à une demande croissante de sens des lecteurs sur les questions liées aux mondes arabes et à l'islam. Se plonger dans les livres pour s'extraire du flux permanent et immédiat d'information, une réponse par la raison au traumatisme des événements. Le Coran d'abord, mais aussi deux ouvrages d'introduction à la religion musulmane, des appels à la fraternité entre les religions, des livres d'histoire sur le Moyen-Orient ou d'explications sur le phénomène djihadiste, témoignages, essais, enquêtes et même bandes dessinées, ces ouvrages se classent régulièrement parmi les meilleures ventes. La tendance n'a pas échappé au monde de l'édition qui, depuis un an, a considérablement renforcé et renouvelé son offre éditoriale, avec parfois pour les lecteurs une certaine difficulté à appréhender les différentes grilles d'analyse et les controverses des chercheurs sur ces sujets. Comprendre cet engouement, mais aussi comment la recherche française sur le monde arabe et sur l'étude du phénomène djihadiste s'organise, l'influence des experts sur l'opinion publique et sur celle des décideurs. Sont-ils aussi écoutés des politiques qu'ils sont lus des Français? On le souhaiterait souvent, mais c'est pas forcément toujours le cas. Autant de questions en tout cas que nous allons soumettre ce soir à nos invités. Deux auteurs, tout d'abord, le lauréat du premier prix étudiant du livre politique France Culture, Pierre-Jean Luisard, historien spécialiste du Moyen-Orient, directeur de recherche au CNRS, lauréat de ce prix pour Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, paru à La Découverte en février dernier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Jean-Pierre Filiu est à vos côtés, ancien diplomate, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. Vous concouriez aussi pour ce premier prix, et il y a de quoi, puisque votre livre est passionnant, paru lui aussi à La Découverte. Les Arabes, leur destin et le nôtre, nous replonge dans plus de deux siècles d'histoire franco-arabe. De destin croisé, il est aussi question dans une bande dessinée en deux volumes, paru chez Futuropolis, Les meilleurs ennemis, une histoire cette fois des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un récit qui était paru chez De Noël, Je vous écris d'Alep. Bonsoir à vous. Bonsoir. Enfin, deux chercheurs et un éditeur. Farouk Mardambé, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la collection Sinbad chez Actes Sud, ancien conseiller culturel à l'Institut du Monde Arabe, ami des poètes comme le palestinien Mahmoud Darwish, dont vous vous apprêtez à publier Présente, Absence, un recueil de ses poèmes en prose, et ami aussi des penseurs comme le Libanais Samir Kassir, mort dans un attentat à la voiture piégée il y a 11 ans de cela, avec lequel vous aviez co-signé Itinéraire de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe. C'était il y a longtemps hein, déjà ce livre qu'il était paru. Hein. Oui. Très 92, longtemps. 93. Et c'était en deux volumes, mais il apparaît régulièrement et on est content de pouvoir vous lire. On est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture, bien sûr, mais aussi dans les salons de Livre Paris, sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. On équipe l'espace pour ajouter votre voix au débat. Hashtag et après. Dimanche. Et après, Olivier Jesper. Olivier Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'islam. Vous avez publié au Seuil, il y a un an, Enquête de l'Orient perdu. Bonjour Jean-Pierre Filiu. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste de l'islam contemporain. François Burga, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez Pas de printemps pour la Syrie. Petit Bessama, il faut quand même le préciser, vous êtes le psychanalyste. Vous venez tout juste de publier un livre que Michel vous avez Onfray, dirigé. Deux livres, alors très attendus. Pensez l'islam. Henri Laurence, bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France, historien et spécialiste du monde arabe contemporain. Pierre Jean Luisard, spécialiste de l'Irak et auteur du Piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire. Dunia Bouzard, vous êtes anthropologue, vous avez publié La vie après Daesh. Myriam Benrad, spécialiste de l'Irak et votre dernier livre s'intitule Irak, la revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique. Malek Chebel, on peut notamment citer parmi vos ouvrages L'inconscient de l'islam qui vient d'être publié aux éditions du CNRS, mais aussi Le dictionnaire amoureux de l'islam. Gilles Kepel, vous venez de publier avec Antoine Jardin Terreur dans l'Hexagone, genèse du djihad français, c'est chez Gallimard. Une offre pléthorique, comme on l'entend à travers cet aperçu signé Alexandra Malka, mais ne nous en plaignons pas, la France est riche aussi de ses talents et de ses cerveaux qui nous aident à analyser cette situation depuis quand même un moment. Farouk Mardambé, vous, chez Actes Sud, avez-vous réagi à chaud aux événements? Est-ce que vous avez publié ou réédité des ouvrages en réponse directe aux attentats qui ont traumatisé la France? Non, non. Il se fait que Sinbad est une collection spécialisée sur le monde arabe et un peu moins sur l'islam, et donc que nous avons un programme qui consiste essentiellement à
dans la traduction de la littérature arabe, notamment contemporaine. Et à mon avis, à travers ces traductions, on peut comprendre, c'est-à-dire que la lecture de la littérature permet de pénétrer dans la personnalité, dans le psychisme arabe d'aujourd'hui, beaucoup plus que certains essais. Il y a aujourd'hui une explosion d'inventivité dans le monde arabe, de créativité, du Maroc jusqu'à l'Irak, notamment dans le domaine du roman. Et ces romanciers bousculent un peu tous les tabous traditionnels, les tabous politiques, religieux, sexuels. Bon. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs femmes qui se lancent dans la littérature. Bon. Et tout cela insiste à un renouvellement réel de la littérature arabe. On a l'impression, en voyant les nouvelles, en regardant la télé, que les gens ne pensent qu'à la religion, qu'il n'y a que la religion qui domine la vie quotidienne, qu'on mange religion, qu'on boit religion, etc. Les Arabes sont un peuple comme les autres, sans doute un peu plus malheureux par les temps qui courent. Ils aiment, mais ils meurent aussi. Voilà, mais ils sont comme les autres. Je veux dire, ils ont les mêmes problèmes et leurs problèmes sociaux sont, à mon avis, à la base de tout le phénomène de l'extrémisme religieux qu'on voit. Vous avez peu publié, donc, juste après, Farouk Mardambé, mais est-ce que vous avez été chez Actes Sud globalement, alors peut-être pas simplement sur votre collection, beaucoup été démarché par des auteurs? Sans doute, mais comme vous l'avez dit, il y a une surproduction du livre sur l'islam en France. D'ailleurs, il y a une surproduction du livre islamique dans le monde arabe aussi, dans le monde musulman en général. Le problème, c'est que c'est une littérature souvent très répétitive. Les bons essais, comme ceux de nos amis ici présents, sont rares. Sur les 100 essais parus dernièrement, je crois qu'on peut citer 5, 6, 10 au plus qui méritent d'être cités. Bon. Alors vous le feriez, vous les citeriez ici ou pas? Vous nous donneriez des conseils? Quels sont les livres qui vous ont marqué dans les 365 derniers jours Vous avez cité quelques-uns. Mm-hmm. Bon, moi je me suis intéressé beaucoup et pour cause sur les livres sur la Syrie, étant syrien moi-même, et justement j'ai beaucoup apprécié les livres de Filieu, de mon ami Filieu, et aussi le piège de Daesh. Bon, donc je suis pas très original en disant cela, parce que tout le monde le dit. Bon. Mais il y a aussi, par exemple, le livre de Burga qui a été cité aussi. De François Burga. Pas de printemps, pas de printemps pour la Syrie, par exemple. Et alors, je vais quand même citer quelques-uns des ouvrages qui sont sortis chez Actes Sud avant les attentats. Syrie, la révolution orpheline du politologue Ziad Majed, qui est paru en avril 2014, un livre qui est bien sûr aussi toujours d'actualité. Extrémisme religieux et dictature de l'égyptien romancier également, hein, Alaa El Aswani, en octobre 2014. Là, je cite des essais. Hein, on peut aussi parler de littérature, comme vous l'avez évoqué. Le peuple veut une exploration radicale du soulèvement arabe de Gilbert Achkar, publié en février 2013. Et puis publié cette année en janvier, Du despotisme, par une figure historique du réformisme musulman et un précurseur de l'arabisme. Vous voulez peut-être nous en parler, ça c'est un vieux texte. Hein. Oui, d'ailleurs il y a eu je crois une émission à France Culture sur ce livre. C'est un livre extrêmement important, qui date de plus d'un siècle et qui est une charge extraordinaire contre le despotisme à partir de la religion musulmane. L'auteur a bien lu des auteurs des Lumières, mais il a aussi essayé toujours d'étayer son argumentation par des versets du Coran, par des hadiths du prophète. Et de despotisme, il est aussi beaucoup question de votre livre, Jean-Pierre Filu, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Mais d'abord, parole à vous, Jean-Pierre Luizard. Votre livre a donc été perçu par un jury de 10 étudiants comme une contribution importante aux débats actuels et reçu la semaine passée ce premier prix étudiant du livre politique France Culture. C'est pas anodin que ce soit un livre sur la radicalisation, sur Daesh qui ait remporté ce prix, au milieu d'autres ouvrages sur la gauche française ou sur les identités françaises. Quelle réflexion vous ont amené à écrire ce livre? Pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire de le publier? Je rappelle que c'était en février 2015. Hein. Effectivement, c'était en février 2015 et je dois avouer que je n'étais pas très chaud pour publier un livre avec des événements qu'il fallait commenter à chaud. Hein. Moi, je suis historien, j'ai besoin de temps, je me réfère au temps long.
Et là, j'ai cédé finalement à l'insistance de mon éditeur, donc la découverte. Et encore, je n'étais pas convaincu quand j'ai fait ce livre, parce que lorsqu'on vit immergé dans ces recherches, on a l'impression que tout le monde a la même culture. Et c'est en voyant les réactions a posteriori après la publication du livre que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait matière à débattre et qu'au-delà des thèses que j'avance, il y avait un certain nombre de choses qui depuis le février 2015 ont été largement débattues lors de mes nombreuses interventions pour la promotion du livre, que ce soit dans des institutions ministérielles ou autres, ou dans un milieu associatif. Mais tel que vous nous le présentez, on a l'impression que ce livre a été écrit à chaud entre janvier et février. C'est pas le cas, le livre avait été écrit largement avant, en tout cas dans votre note, non? Non. Non, parce que dans votre note introductive, vous dites que l'écriture de ce livre s'est achevée quelques jours avant les événements de janvier. Le livre a été écrit très rapidement, en novembre et en décembre 2014. Il a été publié en février 2015. Et c'est un livre qui m'a demandé un exercice que je n'avais jamais fait auparavant, puisque en tant que chercheur, on est habitué à des délais assez longs pour la publication. Et là, les premiers attentats, ceux de Charlie par exemple, ont eu lieu, hélas, quelques jours avant la publication du livre. Bon, ça n'a pas modifié ma vision de voir les choses. C'est ce que vous précisez d'ailleurs. En dépit de leurs répercussions immenses, ces événements en France et ailleurs, je n'ai pas souhaité intégrer une analyse de ces événements tragiques qui, à mes yeux, n'invalident pas le propos de cet ouvrage. Est-ce qu'il faut comprendre à travers ça, Pierre-Jean Louisard, que les attentats de janvier, comme ceux du 13 novembre, dans cette histoire que vous essayez de décrire et de retracer, ne constituaient pas une rupture, un choc peut-être, mais pas une rupture? Un choc, certainement. Au moment des attentats contre Charlie Hebdo, ça ne constituait pas une rupture. Je ne dirais plus la même chose aujourd'hui, maintenant qu'il est clair qu'il y a un volet occidental et plus particulièrement français à la stratégie de l'État islamique. Ça n'était pas encore le cas à l'époque, mais aujourd'hui, il y a véritablement une recherche à faire sur les raisons de nos faiblesses, de nos contradictions, de nos paradoxes, qui expliquent très bien pourquoi l'État islamique vise particulièrement la France parmi toutes les démocraties occidentales. Voilà, et ça fera peut-être l'objet d'un prochain livre, en tout cas pour vous, non? Oui. Oui, ça va faire l'objet d'un prochain article qui va paraître dans la revue de Marcel Gaucher, Le Débat, au mois de mai. Et après, un livre, généralement ça commence comme ça, une contribution dans Esprit ou Débat, et puis un ouvrage. Vous allez voir, La Découverte va vous appeler. Ça va pas tarder maintenant que vous avez dit ça à l'antenne. La rupture, c'est 2014 hein, pour vous, Pierre-Jean Louisard, ce retour brutal et pourtant prévisible de l'histoire qui a permis la naissance de l'État islamique et ce piège que Daesh a tendu aux puissances occidentales en les impliquant dans sa guerre et dans lequel elles sont tombées. Jean-Pierre Filu, vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques de l'Hexagone sur l'histoire du Moyen-Orient et la guerre en Syrie. L'engagement qui transparaît dans vos ouvrages, dans un style direct, avec un récit par exemple comme Je vous écris d'Alep au cœur de la Syrie en révolution, ou indirect, comme dans votre dernier ouvrage, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Cet engagement, Jean-Pierre Filu, peut surprendre pour un professeur des universités, un ancien diplomate qui, comme tous ses confrères, nous a plutôt habitués à une certaine retenue. Vous l'assumez, au contraire. Quel rôle vous vous donnez comme chercheur, comme éclaireur aujourd'hui? Je crois que nous vivons une phase de révolution qui est épouvantablement tragique, comme toutes les phases de révolution, et que nous devons retrouver, malheureusement, et la France a payé le prix fort pour ce faire, ce sens tragique de l'histoire. L'histoire, ça n'est pas Facebook, l'histoire, c'est pas des clics sur un écran, et que cette histoire, elle se joue là-bas, mais cette histoire qui se joue là-bas, c'est aussi la nôtre. Et cet engagement, et vous m'honorez en me considérant comme engagé, je l'assume complètement, car je considère que face à des convulsions aussi considérables, qui engage la vie d'hommes et de femmes là-bas et ici, ici et là-bas. Nous avons, comme intellectuels, un devoir citoyen de contribuer non seulement au débat public, mais à la lutte contre tous ces amalgames qui font qu'au fond, Daesh peut prospérer sur un terrain, si j'ose dire, qui a déjà été préparé. Préparé par toutes ces assimilations, préparé par tous ces procès d'intention, et puis préparé, disons-le, par ce lâche abandon
dans lequel nous avons laissé les peuples d'Orient et notamment le peuple de Syrie, alors qu'il ne demandait que sa liberté, que ses droits, que la justice, et qu'on l'a assimilé à nos pires ennemis, et aujourd'hui, ce sont ces pires ennemis qui se retournent contre lui et contre nous. Je reviens sur votre démarche de chercheur, mais aussi d'auteur, Jean-Pierre Filu. Les sciences humaines et plus largement la non-fiction que vous pratiquez ne sont pas pourtant les seuls à pouvoir répondre à toute cette demande de sens et de compréhension que nous avons, lecteurs et journalistes, du récit, de la bande dessinée, La Dame de Damas, Les Meilleurs Ennemis ou Le Printemps des Arabes. Pourquoi ces choix ? Bien d'abord parce que j'y trouve un grand plaisir à la fois à écrire, à créer, mais aussi à avoir ces échanges avec les publics qui sont, je dois le dire avec grande émotion, une source d'énergie permanente pour un auteur. Je considère là encore, dans la démarche qui m'anime, de mon devoir de répondre positivement chaque fois que je le peux à toutes les invitations associatives, plus académiques, partout en France. J'étais ces derniers jours à Vesoul et à Lille. Je serai demain à Marseille, après-demain à Bourges. Et à chaque fois, j'apprends énormément de ces échanges avec les Françaises et les Français qui sont en demande. Mais c'est cela aussi la grandeur de notre pays, et je dis ça sans aucune emphase, c'est qu'il y a cette volonté de comprendre, d'intégrer, justement de redonner du sens, et ce sens, il doit être collectif. Il participe d'un récit, et c'est là où ma contribution, je l'espère, peut être utile, c'est de montrer que cette histoire des Arabes et notre histoire de Français et d'Européens, eh bien, c'est la même. Le destin est partagé, l'avenir est commun, les ennemis de la liberté sont les mêmes, là-bas et ici, ici et là-bas, mais les partisans de la liberté aussi. Et je crois que cette alliance entre les partisans de la liberté, elle est essentielle pour défaire les monstres une fois pour toutes. Voilà l'engagement qui est de retour. Farouk Mardambé, que le monde intellectuel, que les spécialistes de ces questions se saisissent sans attendre de tels événements est plutôt légitime. À l'instant, Jean-Pierre Filu évoquait la responsabilité qu'il ressent à intervenir aussi sur ces questions pour en montrer à la fois les continuités ou les ruptures. Est-ce que vous, Farouk Mardambé, comme Olivier Nora des éditions Grasset, qui s'est dit une fois surpris dans les colonnes du Monde, par cette réaction spontanée et contre-intuitive des lecteurs qui se sont rués vers les librairies. Est-ce que vous y voyez un mélange de réveil militant, républicain et citoyen ? J'ai constaté au contact des jeunes lecteurs qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre en ce moment. J'ai eu des rencontres avec un public important, parce qu'on organise une rencontre mensuelle autour de la question syrienne, et à la fois dans à chaque rencontre, je sens qu'il y a une demande, une vraie demande pour on veut comprendre, comme dit Jean-Pierre, mais est-ce qu'on est passé à un engagement véritable? Je crois qu'on n'est pas là. Le cas de la Syrie est très significatif à cet égard. Cela fait 5 ans qu'il y a une véritable tuerie, une tragédie terrible dans ce pays. Et pourtant, quand il y a une manifestation, par exemple, un appel à une manifestation de défense du peuple syrien, de soutien au soulèvement syrien, on arrive à peine à avoir 2000 personnes. Ce qu'écrit Jean-Pierre Filu, pardon, je le cite, malgré cette communauté d'ennemis, la tragédie de la libération arabe suscite dans notre société plus de rejet que d'empathie, plus d'accablement que de clairvoyance. C'est-à-dire, il y a une, je crois aussi une lassitude. Il y a une lassitude. D'abord, il faut dire que les gens ne s'engagent pas, même pour des questions qui se passent dans leur propre pays. Pour s'engager pour des questions à des milliers de kilomètres, c'est encore plus difficile. Mais il y a aussi cette complication volontaire qu'on a ajoutée à la situation. La situation en Syrie, par exemple, est très claire. Il y a un peuple qui se soulève contre une dictature qui est vieille de 40 ans. Bon, mais on a dit non, attention, c'est extrêmement compliqué, on peut pas comprendre, il y a des intérêts régionaux, il y a des intérêts internationaux, et alors pour le citoyen ordinaire, le français,
ils n'arrivent pas à suivre, à comprendre, et de la, d'une histoire qui est une question très simple de défense du droit d'un peuple à disposer de lui-même, on est passé à une analyse qui est à perdre le sens de ce qui se passait dans des analyses régionales, dans des analyses sur l'histoire de l'islam, sur l'islam primitif, sur Daesh, etc. Alors que la question était beaucoup plus simple. Et cela se passe depuis très longtemps en ce qui concerne le monde arabe, depuis le déclenchement de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et puis surtout à partir de la contre-révolution auquel on a assisté en Égypte, au Yémen et surtout en Syrie. Des enquêtes, des récits, des essais, des biographies, des autobiographies ou des livres d'histoire. Une centaine d'ouvrages nouveaux cet hiver, toutes catégories confondues selon Livre Hebdo. Comment s'y retrouver dans cette offre pléthorique? Quels sont les livres qui éclairent? À quels experts se vouer? À 18h36 sur France Culture, on continue à se poser ces questions. France Culture qui a posé ses consoles et ses micros au Salon du Livre de Paris, qui est en train de se transformer en Salon de la Chanson, visiblement. Je ne sais pas exactement ce qui se redonne derrière nous. Mais merci à tous de rester attentifs et concentré malgré cette atmosphère ambiante. Avec nous ce soir, les historiens Jean-Pierre Filu, Pierre-Jean Luisard et le directeur de collection chez Actes Sud, Farouk Mardambé. France Culture, dimanche et après. Olivia Jespère. Beaucoup ne savent pas que vous n'êtes pas né de ces conflits, de ces attentats qui vous ont par ailleurs donné une grande visibilité médiatique. Messieurs Pierre-Jean Luisard, à partir de 2002, vous commencez à beaucoup publier des ouvrages sur l'Irak, votre champ de bataille et sur les liens entre islam et politique, avec notamment laïcité autoritaire en terre d'islam ou une histoire politique du clergé chiite. Vous me disiez à l'instant que votre premier ouvrage était paru en 91 aux éditions du CNRS. C'était la publication de votre thèse sur la formation de l'Irak contemporain. Pierre Filu, de votre côté, rappelons que votre ouvrage « Les frontières du djihad » a paru il y a 10 ans déjà, et puis votre premier ouvrage sous votre nom, c'était en 2005, « Mitterrand et la Palestine ». Tout ça pour vous dire qu'on a quand même le sentiment aujourd'hui que vous êtes né avec ces événements tous les uns les autres, parce qu'on vous a donné, c'est vrai, cette grande visibilité médiatique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a longtemps minoré, mésestimé la recherche sur ces sujets ici en France et l'écoute à leur donner? Pierre-Jean Luisard. Bon, c'est toujours facile à dire après coup, hein. C'est la réaction des chercheurs traditionnels qui est de dire si on nous avait davantage écouté. Mais moi, je me souviens que lors de la première publication d'un ouvrage de ma part, voilà, la formation de l'Irak contemporain était un livre très confidentiel destiné à un public restreint. Pourtant, quand on le relit aujourd'hui, on voit beaucoup de ce qui explique la tragédie actuelle au Moyen-Orient et notamment l'effondrement d'un certain nombre d'États arabes qui sont nés au moment des mandats britanniques et français, qui expliquent la percée fulgurante d'OVNI comme l'État islamique, par exemple. Mais voilà, ça c'est... Je ne ferai pas le reproche parce que quand je me suis intéressé à l'Irak au début de ma carrière, je savais que je faisais quelque chose qui était très largement confidentiel. Il y avait quand même un premier appel d'air, en tout cas médiatique, et un intérêt pour cette recherche après le 11 septembre, non, pour ces disciplines universitaires. Vous avez senti là encore un engouement dans les rangs universitaires? Non, ce n'est pas en ce qui me concerne tellement le 11 septembre, mais plutôt la guerre entre l'Irak et l'Iran, où la France s'est tenue de façon massive derrière un régime que je connaissais, hélas, trop bien, le régime de Saddam Hussein, et où l'Iran m'apparaissait comme la victime d'une coalition internationale qui voulait punir ce pays d'avoir fait une révolution, et en l'occurrence une révolution islamique. Donc c'est à partir de là que, véritablement, si on peut parler d'engagement, je me suis senti comme un devoir de montrer que l'islam pouvait porter des revendications anticoloniales et des revendications qui n'étaient pas toutes despotiques, comme on peut le voir aujourd'hui. J'évoquais la difficulté pour le grand public parfois à appréhender les différentes interprétations des faits qui nous sont données.
années. Une contribution très intéressante est parue dans la revue du Crieur sous ce titre « Clin d'œil à Pierre Bourdieu ». L'islamologie est un sport de combat et elle rend compte de la multiplicité des approches sur la question terroriste, sur les changements en cours dans le monde arabe et aussi sur la question de l'islam. Ça vous a pas échappé, j'imagine, Jean-Pierre Filu, puisque vous co-signez également un article dans cette excellente revue, consacré cette fois à Rihanna, hein, comme quoi vous êtes bien un chercheur et un écrivain totalement éclectique. Ce qui est intéressant avec cette contribution, c'est qu'elle inscrit aussi tous ces phénomènes dans le temps. La chercheuse Leïla Dakhli vous classe, Jean-Pierre Filu, parmi les quatre figures principales de cette islamologie à la française, tandis que vous, Pierre-Jean Louisard, vous faites figure de challenger. Les courants, les débats internes à cette discipline et le poids de ces études en France, est-ce que c'est pour vous, Jean-Pierre Filu, un signe de bonne santé du débat universitaire, du débat intellectuel et de l'intérêt toujours vif que nous continuons ici en France à porter pour l'autre rive de la Méditerranée? Oh, c'est évident, c'est une excellente nouvelle. J'ai la chance à Sciences Po de partager mon bureau avec Stéphane Lacroix, qui est le représentant de cette nouvelle génération d'arabisants avec d'autres, hein, particulièrement talentueux et prometteurs. Qui a suivi les cours notamment de Gilles Kepel. Hein, oui, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il se trouve que Pierre-Jean et moi sommes historiens, donc nous sommes les représentants de notre discipline, mais face à un mouvement aussi tellurique, aussi considérable, aussi global, qui agite le monde arabe et le monde musulman, il est évident qu'on a besoin de toutes les disciplines, qu'on a besoin des sociologues, des anthropologues, des politologues, des ethnologues, des économistes. J'en oublie sûrement et je les prie de m'excuser. C'est pour ça que cette pluralité, elle vient aussi de la différence de regard et de méthode, et que je crois qu'il faut s'en féliciter et savoir que cette expertise française, dans toutes ses déclinaisons, et quels que soient ceux qui l'apportent avec leur personnalité et leur style à chacun à part, eh bien, ils sont respectés, ils sont écoutés à l'étranger. Et ça aussi, c'est essentiel. Et on voit bien que beaucoup de pays en Europe, mais aussi au sud de la Méditerranée et outre-Atlantique, regardent vers les chercheurs français pour essayer de mieux comprendre ou de moins mal comprendre ce qui se passe et qui, à l'évidence, nous engage pour au moins une génération. Un petit monde relativement pacifié en surface mais qui gronde dans ses profondeurs et qui entre en ébullition au hasard d'une prise de parole exposant au grand jour ses désaccords. Voilà ce qu'écrit la chercheuse Leïla Dakhli. Comme dernièrement, entre Gilles Kepel et le sociologue Raphaël Liogier, qui s'associe dans l'extrait que vous allez entendre au chercheur Olivier Roy au micro de Réplique. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Gilles Kepel, c'est sur la question de la continuité avec le salafisme. Parce que je crois que le salafisme, c'est un mot qui est devenu un mot valise aujourd'hui, que effectivement des idéologues de Daesh peuvent revendiquer, mais en réalité, le nouveau djihadisme, c'est un nouveau djihadisme de gens incultes qui ne sont pas dans la continuité du salafisme et qui fonctionnent par de la mise en scène des images. Le problème, si vous voulez, pour lire ça, c'est qu'il faut lire les textes qui sont produits. Ces textes sont en langue arabe. Je ne sais pas si vous la maîtrisez. Absolument pas. Bon, mais justement, si vous voulez, c'est le problème, c'est ça. C'est pour parler du salafisme, pour expliquer le contenu du salafisme, il faut pouvoir lire les textes en arabe, comprendre ce qu'ils disent. Je ne suis qu'un modeste sociologue. Effectivement, je ne parle pas arabe. Je ne connais pas l'arabe et je ne le revendique pas parce que j'ai toujours étudié mon terrain par rapport justement aux revendications des acteurs sociaux, à leurs caractéristiques biographiques, etc. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que en fait, si on avait parlé justement des attentats du 11 septembre, j'aurais dit d'accord, on est face à des gens qui ont une vraie formation théologique, qui ont accès à l'arabe. Mais là, vous me dites que je suis mal informé, Gilles Kepel, oui. Mais je sais qu'il y a deux niveaux aujourd'hui. En fait, il y a deux niveaux, c'est ça le problème. C'est que d'un côté, il y a des idéologues et des gens qui ont une vraie formation et qui écrivent, comme vous le dites, ces textes-là. Mais moi, ce n'est pas eux qui m'intéressent. Vous vous intéressez, en fait, voilà. Vous, notre problème, il est là. Vous vous intéressez à l'offre. Moi, je m'intéresse à la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des individus dans l'espace français qui sont parfaitement incultes, qui n'ont pas accès à l'arabe. C'est-à-dire, ils n'ont pas accès à l'arabe, ces gens-là. C'est-à-dire que les frères Kouachi n'avaient pas accès à l'arabe classique. Mohamed Merah, que je sache, n'avait pas accès à l'arabe classique. Et d'après ce qu'on sait, à part celui qui était syrien et quelques autres, ceux qui ont fait les attentats du 13 novembre, n'avaient pas accès non plus. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans la société
française. Et ce que je constate sociologiquement, j'en suis désolé, j'essaye de regarder par rapport aux... Je me demande si quelque part, le fait que vous soyez un brillant orientaliste et que vous connaissiez l'arabe, que vous connaissiez l'histoire, n'oriente pas votre regard dans une continuité qui n'est plus cette continuité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture aujourd'hui. C'est gentil de me coller l'étiquette d'orientaliste sur la figure. Je revendique volontiers que j'ai étudié. Oui, enfin, elle a été beaucoup dans la polémique de Bernard Lewis. Bon, et paf, un peu quand même, hein, Jean-Pierre Filu, c'était au micro d'Alain Finkielkraut sur France Culture. Débat animé et venimeux parfois entre Gilles Kepel et Raphaël Lioglié. Lioglié, est-ce que sur cette question, d'après vous, il faut parler arabe pour être légitime à expliquer, tenter d'analyser ces phénomènes pour vous, Farouk Mardambé? Mais je suppose que pour parler de l'islam comme religion. D'ailleurs, il y a une remarque que j'aimerais faire, c'est que il y a un déficit dans les études en islamologie aujourd'hui en France. Bon, comparé à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'est-à-dire islamologie, il y a très peu d'études sur la théologie musulmane. Il y a très peu d'études sur le droit musulman aujourd'hui en France. Bon, mais pour faire des études en théologie et en droit, il faut sans doute connaître l'arabe et pouvoir lire des textes dans leur langue originale. Il n'y a pas de doute. Oui, mais on peut, comme Olivier Roy aussi, étudier l'islam politique à partir de l'Afghanistan. C'est son champ de bataille, c'est son terrain à lui. Non, je veux dire pour d'autres, comme Pierre-Jean Luzard. En raison des événements qui nous bousculent, on s'intéresse surtout à l'aspect politique, à l'islam politique. Mais l'islam en tant que tel, l'islam en tant que religion, il n'y a qu'une littérature très répétitive. Là, vous avez parlé d'une centaine de bouquins, mais souvent, les livres, qu'ils soient islamophiles ou islamophobes, bon, se répètent. Il y a très peu d'argumentation, il y a très peu d'exploration en profondeur de la religion elle-même, de la pensée religieuse. Et cela, malheureusement, sur ce point, les anglo-saxons nous devancent de loin. Pierre-Jean Luizard, radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, le djihadisme de première, deuxième ou troisième génération, le continuum entre tous ces événements et après, quelle est la vraie question qui se pose à nous derrière toutes ces divergences d'analyse? Je pense que le débat entre guillemets islamologue français est très intéressant parce que la France est un pays d'idéologie par excellence et les uns et les autres se positionnent avec des lunettes qui souvent engagent à voir l'autre tel qu'on voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il se dit ou tel qu'il peut être. Donc c'est intéressant parce qu'on voit très bien les contradictions qui en retour expliquent la façon dont on nous voit nous à partir du monde arabe ou du monde musulman et comment on perçoit nos valeurs, notamment les valeurs républicaines, la laïcité, qui pour nous sont synonymes de progrès mais qui ont été historiquement intimement liées à l'expansion coloniale. Donc on ne peut pas s'étonner qu'il y ait aujourd'hui des visions très différentes et des réceptions très différentes. Et je pense que ce débat est passionnant parce qu'il montre justement où se situent nos failles et où se situent nos paradoxes. Et ces divergences sur les causes risquent de nous rendre aveugles quelque part sur les signaux pour tenter de décrypter l'avenir, d'après vous, ou au contraire, ça enrichit ce questionnement? Je dirais que c'est les deux parce que, bon, par exemple, le terme islamisme, qui est un terme galvaudé aujourd'hui pour désigner l'islam politique, est basé en France notamment sur une méconnaissance de l'histoire de l'islam, parce que l'histoire de l'islam montre qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le politique et le religieux, et quand Gilles Kepel et Bruno Etienne ont exhumé ce mot d'islamisme ou d'islamiste, ça n'était pas du tout pour désigner l'islam politique, mais une idéologisation de l'islam en tant qu'idéologie de combat anticolonial ou contre des régimes autoritaires. Donc on voit souvent les autres comme on voudrait qu'ils soient. Et islamisme, est-ce que l'État islamique est islamiste? Est-ce que les salafistes qui ont pendant été
qui ont été pendant très longtemps apolitiques, sont islamistes. Vous voyez, on est en pleine confusion, et cette confusion, elle n'est pas dans la réalité, mais elle est dans les lunettes idéologiques que nous portons très souvent pour voir cette réalité. Alors vous, les chercheurs, je vais quand même vous ramener un instant, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes jusqu'à 19h, à l'actualité, avec l'arrestation vendredi en Belgique de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de novembre de Paris. Un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe pour le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à la sortie samedi du Conseil de défense de l'Élysée. Une étape importante dans la guerre contre le terrorisme, c'est comme ça que vous l'interprétez, Pierre-Jean Luisard? Cette arrestation, bon, ça n'est pas un événement qui particulièrement m'intéresse en tant que tel. Bon, je comprends tout à fait que ce soit quelque chose d'important pour les victimes et les familles de victimes, mais bon, j'essaie de comprendre ce qui se passe en France. Comme je l'ai dit, il y a désormais un volet français, notamment à la stratégie de l'État islamique, et l'arrestation d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, n'est pas un événement en soi, à mon avis. Alors je reformule aussi, est-ce qu'il faudra attendre bien plus pour que le piège Daesh se retourne contre ses concepteurs? Le piège Daesh, il est différent suivant qu'on se situe au Moyen-Orient ou dans les démocraties occidentales. Au Moyen-Orient, il consistait à s'engager dans une campagne militaire sans avoir une solution politique en vue, et cette solution politique doit obligatoirement, à mon avis, prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'États ou de systèmes politiques ne sont pas réformables et qu'il faut anticiper ce qu'a fait l'État islamique, et ça explique pourquoi il est aussi puissant aujourd'hui dans la région, anticiper un processus qui me semble irréversible. Et sur le volet français ? Et sur le volet français, c'est un peu long à expliquer. Je vous renvoie à l'article que je vais écrire dans cette revue prochainement. Bon, d'accord. C'est tout ? Vous arrêtez vraiment là ? Je préfère m'arrêter là en ce qui concerne le volet français, parce que cela engage, si vous voulez, de tels débats qui m'ont valu un certain nombre de censures dans des médias scientifiques ou autres. Bah, profitez-en, justement, vous êtes en direct et sur France Culture, il n'y aura pas de censure. Et je pense qu'il me faudrait du temps pour expliquer les choses, et je crains que le temps soit compté ici. Alors rendez-vous est pris pour la prochaine fois et développer ce volet. Pierre-Jean Luisard, vous l'évoquiez, cette solution politique qui est la grande absente à la table des négociations de Genève depuis une semaine, c'est effectivement ce projet politique des puissances occidentales pour cette région en pleine recomposition. Pour vous, Jean-Pierre Filou, il est impossible de réduire la question djihadiste au champ hexagonal. Le droit des peuples à l'autodétermination est central dans votre réflexion, et c'est aussi parce que ce droit leur est refusé, leur est dénié depuis tant d'années, que nous en sommes là aujourd'hui. Dans un chapitre en lien avec cette actualité de Charlie au Bardo, vous constatez dans votre ouvrage que les despotes prêts à toutes les extrémités pour étouffer la contestation ont alimenté le monstre djihadiste qui se joue des frontières pour diffuser son projet totalitaire. Nos destins, rappelez-vous, sont aujourd'hui encore liés par cette communauté d'ennemis, et c'est effectivement tout ce que raconte votre ouvrage, les Arabes, leur destin et le nôtre, cette communauté d'amis mais aussi cette communauté d'ennemis, et comment cette histoire entre l'Occident et le monde arabe, et notamment avec la France, s'est construit au fil des années depuis 1789. Si ce totalitarisme de Daesh finira peut-être, d'après vous, par céder un jour face à une réalité qui ne pourra plier à son dogme, en revanche, les bourreaux, eux, ne partiront jamais d'eux-mêmes. Il faudra les renverser, écrivez-vous Jean-Pierre Filou. Est-ce que vous êtes un peu déçu, voire affligé, par cette première semaine des négociations qui s'est déroulée à Genève, et dans lequel cette question de la transition politique et celle du départ de Bachar el-Assad ont vraiment beaucoup de mal à trouver place dans la discussion? Ah, je ne suis ni déçu ni affligé, je ne suis même pas surpris vu que j'ai été diplomate pendant près de 20 ans. Donc quand on arrive à la table de négociation avec les positions qui sont celles de la délégation d'Assad, eh bien effectivement, rien d'autre ne pourrait advenir. Mais simplement, en écho à des propos qui ont été tenus antérieurement, ce livre que vous évoquiez aimablement a été la base d'un enseignement en arabe
d'histoire arabe que j'ai réalisé pendant l'été 2015 dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Et quand je dis histoire commune, je l'assume des deux côtés. Je l'assume certes du côté français européen, mais aussi du côté arabe. Et j'étais très frappé, ce camp de Zaatari, ce sont des paysans qui ont été expulsés de leurs terres par la politique effroyable d'Assad, mais aussi de Poutine et des Iraniens. Et ils comprennent très bien, par exemple, Nasser, cette grande figure, eh bien, ils ne disent pas que c'est un démon, ils ne disent pas que c'est un dieu. Ils comprennent que c'était à la fois un dictateur qui a fait beaucoup de mal à son peuple et en même temps une forme de figure du nationalisme arabe. Donc aujourd'hui, en Syrie, ce qu'on voit, c'est que tant que Assad ne se fera pas forcer la main par quelqu'un, il est évident que les Occidentaux n'ont plus aucune envie ou plus aucun moyen de lui forcer la main. Donc le seul qui peut lui forcer la main, c'est Poutine. Eh bien, il ne bougera pas. Et tant qu'il ne bougera pas, il n'y a absolument aucun espoir de solution politique en Syrie. Or, en Syrie, il n'y aura pas de victoire militaire. Il n'y aura qu'une solution politique. Donc malheureusement, l'abstention occidentale a conduit à livrer une partie du destin de la région et donc de l'Europe à Poutine. Donc rien à attendre pour vous non plus, Farouk Mardambé, de ces pourparlers qui vont reprendre d'ailleurs demain et qui sont annoncés jusqu'au 25 mars. Rien à attendre pour vous non plus de ces négociations qui ont lieu en ce moment à Genève. Vous savez, ce qui est important à mes yeux en ce moment, c'est le mouvement populaire en Syrie même. Le jour où il y a eu un début d'accalmie, c'est-à-dire que les bombardements ont cessé, on a vu dans plus de 100 localités en Syrie, des manifestations populaires avec le drapeau du soulèvement, avec le drapeau vert du soulèvement. Et les gens ont bousculé, ont occupé, ont chassé les mouvements djihadistes de leur ville. Cela s'est passé à Maaret-Normand, cela est en train de se passer à Idlib et dans d'autres localités. Les Syriens disent, reviennent aujourd'hui en force avec les mots d'ordre, les premiers mots d'ordre du soulèvement, liberté, dignité, réforme sociale, et ce ne sont plus sous des mots d'ordre de religieux qu'ils se soulèvent aujourd'hui. Bon, maintenant, si vous permettez, je voudrais dire un mot sur le piège Daesh, le mot même piège Daesh. Il est représenté par ce qui s'est passé hier même dans la ville de Raqqa. La ville de Raqqa en Syrie est la capitale de Daesh. Bon, c'est une ville qui doit compter maintenant 300 000 à 400 000 personnes, peut-être, y compris des réfugiés, des zones, des gens qui ont fui des zones bombardées par les Russes et qui sont réfugiés à Raqqa. Bon. Alors, hier, Raqqa sur laquelle l'armée du régime est intervenue hier. Il y a eu un bombardement. Par un bombardement, ouais. Bon, mais le bombardement a fait 50 morts, victimes civiles, 50 personnes qui n'ont rien à voir avec Daesh. Ça, c'est le vrai piège de Daesh. Daesh est là, il occupe la ville. Il y a près de 12 000 combattants de Daesh à Raqqa, dont très très peu de Syriens d'ailleurs. Ils sont en grande majorité irakiens, tunisiens, algériens et autres. Il y a peu de Syriens. Français. Oui, il y a aussi des Français, mais il n'y a pas de Syriens. Et ce sont les Syriens qui paient le prix. 50 victimes, des hommes, des femmes, des enfants, tués, assassinés froidement hier par l'aviation. Farouk Mardambé, Jean-Pierre Filou, une dernière question avant de se quitter. Vous êtes nombreux, et c'est le cas aussi avec Pierre-Jean Luisard, à douter de la forme actuelle, en tout cas dans sa forme actuelle, de l'intervention militaire en Irak et en Syrie. Nombreux à juger comme une faute stratégique et morale majeure la réhabilitation de Bachar el-Assad et son retour sur la scène diplomatique. Alors qu'on a en France d'excellents spécialistes, on a quand même le sentiment que souvent, vous n'êtes pas du tout écouté du politique. Alors comment, en quelques mots, faciliter ce dialogue entre la recherche et le monde politique? Là encore, j'évoquais ces rencontres avec le public citoyen et c'est une question que nous avons à chaque fois. Est-ce que les politiques vous écoutent ? Et comme si nous détenions une formule magique et il suffirait que les politiques la prennent pour que tout aille mieux. Il se trouve que sur ce sujet précis... Non mais peut-être qu'ils ne fassent pas le contraire de tout ce que vous préconisez. Mais la politique voilà, française sur la Syrie, qui est justement ni Bachar ni Daesh, est non seulement honorable, mais elle est d'une constance extraordinaire face à une Europe qui serait prête demain à pactiser avec Bachar et des États-Unis qui ont absolument abandonné le peuple syrien. Mais je crois que là-dessus, il y a vraiment ce problème d'une réponse globale à un phénomène global. Et que très souvent, le débat franco-français, du fait de sa dimension hexagonale, fait comme si c'était en France que nous pouvions avoir la recette miracle pour un problème qui nous dépasse tous.
On va regarder plus haut, plus loin et au-delà des frontières. Merci beaucoup à vous trois, Farouk Mardambé, Pierre-Jean Luisard et Jean-Pierre Filu. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Ça, c'est pour vous, Jean-Pierre Filu. Le piège de Daesh, prix du premier livre politique France Culture. Le piège de Daesh, signé Pierre-Jean Luisard. Les deux ouvrages sont parus. C'est un hasard à la découverte ou pas. C'est un très bon choix d'éditeur. Merci beaucoup à Alexandra Malka qui a réalisé cette émission, à Mathias Mégy qui était à la préparation et sur le fil des réseaux sociaux. C'était dimanche et après en direct du Salon du Livre. Merci à vous, cher public.